Voilà. Sans, je panique. Enfin, je sais pas si c'est de la panique, mais en tout cas, j'agis trop tôt. C'est plus non, c'est bon. Oh merde, je bouge ma manette. Finalement, les saloperies, les doppelgangers, là, ils me gênent pratiquement plus parce que je me préoccupe pas d'eux. Enfin, c'est tout aussi, c'est quand même à cause d'eux que j'essaie d'aller vite. Sur les pics, c'est pas agréable. Je sais pas comment ça se fait que ça ricoche comme ça là. J'ai pas l'impression de faire quelque chose qui amène ça. Pourquoi il rebondit là, je sais pas, c'est pas moi qui lui demande, hein. Ça me plaît bien qu'il le fasse, mais... Thank you.
avec la croix directionnelle, mais non, c'est... J'arrive pas à choper celui... Le reste, ça va. Je viens régulièrement, mais... Je sais comment le passer. Oh merde! Oh non, ça me fait chier. Ah, ça me fait chier, putain. En plus, ils nous mettent des trucs à récupérer à la fin. C'est dégueulasse. Ben, c'est le problème dans ce genre de jeu, là. Être bloqué ici et de... Ne pouvoir rien faire d'autre que continuer bêtement. Enfin. Merde. Voilà. Je vais essayer une fois de la voir. Non. Non, il faut deux dashs là, je pense, pour... Oui, enfin, depuis que j'ai enlevé mon t-shirt et que je me suis mis dans un peignoir, parce que je suis équipé, hein, faut savoir qu'il m'arrive régulièrement de m'enrouler dans un peignoir quand je dors, tellement je peux transpirer en dormant. Donc je suis équipé, là, je transpire moins. C'est bon, paradoxalement, je trouve que je gère mieux le jeu qu'au tout début. C'est pas extraordinaire, mais je... Allô ? Madeline ? Tu appelles d'une cabine ? Oui ? Ben, attends. Ah oui, attends, c'est toi qui appelles. Il me semblait bien avoir entendu la sonnerie du téléphone.
Qu'est-ce que tu racontes? Oh, peu importe, j'ai des ennuis. Je suis pourchassé par quelqu'un. Je ne comprends pas bien ce qui se passe, mais je me sens en danger. Je le sens. Madeline, tu ne m'appelles que quand tu as panique au milieu de la nuit. Désolé, faut que je boive un coup. Inutile d'inventer des histoires ridicules pour attirer mon attention. Je n'invente rien. Tu ne changeras jamais. Chut. Ça va, calme-toi. Je m'excuse, chérie. Ah bah, c'est son copain. Je t'écoute. Je grimpe le Mont Céleste. J'ai trouvé un étrange miroir et il s'est brisé, mais une partie de moi s'en est échappée et... Et je fais un rêve, n'est-ce pas ? Madeline, bien sûr, tu fais un rêve. Je ne t'ai pas parlé depuis des mois. Pourquoi commencerais-je maintenant ? C'est bizarre que j'accroche là. Quoi ? Pourquoi gravir cette subtile montagne ? Je me pose la même question. Il est temps d'abandonner et de rentrer à la maison. C'est quoi, c'est le mauvais génie ? Bon voilà, c'est fini, c'était bien. Suivant. Ah non, mais il faut que je me retape tout ça. Ah, il y a quelqu'un là-haut. On va y aller. Ah, attends. Est-ce que ça a une utilité, les trucs là qu'on voit là ? Est-ce qu'il me dit il faut que j'aille là-haut ? Non, mais attends, je peux faire ça. Le X, ouais. B, pourquoi ? Ben, il m'avait dit X. Pourquoi il me dit X là, si je fais sa dash ? B. C'est bizarre. Salut à toi, camarade voyageuse. Un communiste. Ah, salut. Toi aussi, tu viens pour étudier les vieilles urines ? Non, je viens pour monter au sommet. Waouh, c'est de la folie. Au fait, je m'appelle Théo, je suis un aventurier d'un pays lointain. J'ai pris une flèche dans le genou et... Tu n'es pas très bavard, n'est-ce pas ? Du genre loup solitaire et mystérieuse. Ouais, j'ai compris. Je n'ai qu'à imaginer ton sombre passé. B. Salut Théo, désolé pour tout à l'heure, je m'appelle Madeline. J'ai tellement de choses en tête. C'est l'endroit idéal pour ça. Ces ruines invitent à l'introspection. J'ai l'impression de me regarder dans un miroir, pour ainsi dire. Oui, je comprends. De quel pays lointain tu viens ? Eh bien, chère compatriote curieuse, je viens du royaume mystique et énigmatique de Seattle. Ça doit être un endroit spécial. Pourquoi il me dit X, bordel ? Monter là-haut fut difficile, mais ça valait vraiment le coup. Regarde un peu ces ruines. J'ai pris plein de belles photos. Tu peux voir ? Tu veux voir ? Oh, bien sûr. Et ça, c'est ta bite ? Non. Théo, elles sont superbes. Je finirai peut-être par atteindre un millier d'abonnés avec ça. Oh, il faut qu'on fête officiellement cet événement. Prends un selfie avec moi. Enlève voir ton haut, là, ton pull. Tu dois avoir chaud, près du feu. Je ne sais pas si c'est une bonne idée pour l'instant. Allez, sois cool, regarde. Voilà, moi je vais enlever mon pantalon. Ah, les oreilles de lapin, le classique. Elle fait la tronche, là. Oh, mais c'est pas fini, pour ça. Bon, je suis désolé. Ne t'inquiète pas, je ne posterai pas celle-là. Bon, elle fait plus la tronche. Non, ça va, tu peux la poster. Mais je ne suis pas photogénique. Madeline, ne sois pas si dure avec toi-même.
Personne n'est photogénique sans filtre. Ah oui, c'est mieux. Décontracté mais sophistiqué. Qu'est-ce qui pourquoi il continue pas là? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photographie? Mon grand-père adorait ça. Apparemment, il était assez connu dans l'univers de la photographie. Je ne sais pas si j'atteindrai ce niveau un jour, mais ça me rapproche de lui. Pourquoi il me dit X là? Si X, ça fait dash. C'est quoi cette connerie là? Putain, j'ai les doigts talés. Alors, tu es déterminé à gravir toute la montagne? Oui, je m'en suis fait la promesse. Oui, ben, je la tiendrai pas ta promesse, hein, ça c'est clair. J'en ai marre de trahir les promesses que je me fais à moi-même. Se fixer des objectifs. J'ai pigé. Je ne pense pas aller jusqu'au sommet comme toi, mais je n'ai pas envie de rentrer à la maison pour l'instant. Oh, mais c'est, pourquoi il coupe le dialogue? Il pourrait continuer, ça. À moins qu'il y en ait pendant des heures, mais... Il y a du réseau là-haut? Je n'ai pas de smartphone. Madeleine, tu me laisses sans voix. Voyez? Oui, alors moi, quand je joue à ce genre de... Enfin, à des jeux où je joue la manette avec beaucoup de boutons, au bout d'un moment, j'ai mal au pouce. C'est ce que j'appelle quand je dis ils sont allés. Ah, voilà. Bon, c'était bien la peine. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir? On peut pas rentrer dans les... Merde! Servent ses cœurs. Un vieux livre poussiéreux. un vieux livre poussiéreux est ouvert sur la table. Sur une page défraîchie, il y a un poème. Une apparition, pas de ce monde, mais créée par lui, cachée hors cadre, ça rime vachement. Consciente, mon cœur est une forteresse. En rêve, je suis vulnérable. Putain, mais ça n'a aucun sens. Il y a une porte là. Il y a une porte juste derrière le truc là. Bon bah je sais pas. Je sais pas comment. Ouvre-moi la porte s'il te plaît. Est-ce qu'il met toujours le... Mon céleste, le monument, ok. Ça. Thank you.
j'avais aimé ça. Ah mais non, dash pas tout droit là, crétin. Et pourquoi, comment on l'a cette... Bah, je me demande bien ce qu'on peut faire pour l'empêcher de bouger. Je peux rien faire, moi. Il faut l'avoir sans dash. Oh, d'accord. Ou alors, peut-être un dernier dash pour l'avoir sur la fin, là. C'est vrai, c'est le dash qui le fait partir. Voilà. Là, merci, parce que sans toi, je l'aurais pas eu. Si je vais pas aller chercher, mais si on peut choper des trucs. Non, encore le téléphone. Allez. Allô. Ah, c'est la air vieille. Salut maman. Ah. Madeleine, quelle surprise. Comment se passe ton voyage? Ça va, mais je suis juste un peu submergée. Oh non, tu fais encore une crise de panique? Pense à bien respirer, ma chérie, je suis là. Que se passe-t-il? Ah, un succès. Chapitre 2. Ah bah, je suis pas sûr que je vais continuer là, je vais peut-être jouer à Skyrim. Oh bah, je pensais qu'il y en avait plus. De cristal, c'est celui-là que j'essayais d'avoir là, mais je sais pas comment faire. Ok, bah je crois que je vais en rester là pour Céleste. Alors comment on arrête? Un peu, en plus il faut les faire plusieurs fois. Comment j'arrête? Ah voilà. Quitter. Alors je vais lancer Skyrim. Attends.
vais lancer Skyrim.